Mais où il est ? De quoi tu parles ? Le GPS ! Ça fait 3 fois que je te le dis ! Ah, t'as cherché dans le sac ? J'ai littéralement la tête dedans ! Ah oui, je croyais que tu étais encore en train de vomir. Je ne t'écoute même plus. Il est pas là. Non plus. Alors que le soleil est déjà bien sous mon siège. Non. La petite hitte des profondeurs pour illuminer. Alors, sous ton siège. Non plus. Ah, fais chier. Attends. Écoute. Mais quoi ? C'est notre chanson, mec. Notre chanson. Oh, monte le son. Il reste combien de temps avant c'est quoi le nom de la ville déjà ? Coatleton. Ouais, il reste combien de temps avant Coatleton alors ? Je sais pas. Je cherche le GPS et je te rappelle que je ne le trouve pas. Hey, t'as regardé dans... Oui, j'ai regardé dans le sac. 5 000 fois dans ce putain de sac et il n'y a pas mon putain de GPS dedans. Non, j'allais dire dans la boîte à gants. Ne commence pas. Quoi ? Et ne commence pas quoi ? J'aime pas ne quand... Ne commence pas à me faire croire que je ne sais pas que tu allais dire dans le sac et que tu changes ta phrase 2 secondes après pour me faire croire que t'allais pas dire ça. J'ai jamais fait ça. Tu recommences ! Mais quoi ? Aïe ! Mais t'es malade, mais je conduis là. Tu nous conduis où ? Putain, ça fait des heures qu'on roule et il... Alors si tu t'étais pas endormi... Chut. Oh, mais t'es chiant aujourd'hui, quoi ? Le GPS ! Je l'entends ! J'entends rien, moi. Putain ! Tu l'as entendu, là ? Il est où ? Entendu quoi ? Le GPS ! Mais... Il est pas à l'arrière ? Non. Non. Bon, tourne à droite, en tout cas. Mais pourquoi ? Parce que... Putain ! Tu l'as dans ta poche ! Mais de quoi ? Ah, mais tu veux vraiment que je te fasse sauter la cervelle ? Tournez à droite. Je peux tourner ? Tourne. Ok. Jacob. Wilhelm. Je peux te présenter des excuses ? Tu peux. Excuse-moi. De quoi ? Ok, tu peux ranger ce revolver, s'il te plaît ? Je peux. Quand tu te seras excusé. Mais de quoi ? D'avoir volontairement caché le GPS dans ta poche pour me faire tourner en bourrique. Ah, j'ai pas fait ça. Tu n'as pas fait ça. Non ? Non, tu n'as pas fait ça. Mais non, j'ai pas fait ça. Tu n'as pas... Gaufre ! Gaufre ! Quoi ? Je te suis plus, là. Des gaufres ! Là ! Un diner spécialisé en gaufres ! Ah, une pause. Ah, oh, ça va faire du bien après une nuit de route. Gaufre ! Et pour vendre ! Toi, veux mes gaufres. Ouais, j'arrive. Là-bas. Des insultes et des gâteaux. Putain, des insultes et des gâteaux, quoi. Direction pédagogique. Qui enseigne la cuisine et son modèle sucré. Un café ? Ouais. Oui. Alors, qu'est-ce que je vous sers ? Un café, ça me suffit, merci. Je voudrais des gaufres, s'il vous plaît, mademoiselle, accompagnées d'une confiture de myrtille. Mon frère ici présent prendra aussi des gaufres et un délicat sirop d'érable, si ce n'est pas trop vous demander. Et avec ça, ce sera tout ? Auriez-vous l'amabilité, madame, de nous indiquer le temps restant avant la ville de... c'était quoi le bled, déjà ? Coatleton, et rends-moi mon GPS. Coatleatlton. Vous y êtes, mes chéris. Coatleton, sur la ville du dragon. Go dragon, yeah! Sérieusement,
On y est, tu le savais, c'est ça? Quoi? Pourquoi tu fais ça, sérieusement? Mais quoi? Ne commence pas avec ça, je te jure que... T'en mords, Jacob. Cette fois-ci, j'aimerais vraiment profiter de mon café, s'il te plaît. Bravo, gaufre. Il n'y a plus de myrtille, hein. Quoi? Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et vous comptez y faire quelque chose? Je suis serveuse. S'il y a un problème, demande au patron. Non, non, ma chère. Vous allez vous dépêcher de courir au magasin en face et d'acheter... Ouh. Jacob, tu restes assis. Jacob, tu restes assis. Ah, je suis pas votre chère, hein. J'irai nulle part. Vous avez un problème? Je vais voir le patron. Non, non, tu poses tes fesses. Voyez-vous, ma chère, mon frère est un tantinet fragile. Et le moindre refus le met en colère. Une colère que vous ne voulez surtout pas connaître. Vous voyez cela comme un choix. Un simple choix. On a framboise. Quoi? Ben, confiture. On a framboise. Sérieusement? Se passe quoi, là? C'est vous le patron? Oui, oui. C'est quoi votre nom? Franck. Écoutez les gars, moi je veux pas de problème. Si vous voulez des myrtilles, je vais aller... Franck. Qu'il demande. Ah, Franck comme dans la ville de Coatelton, recherche pourfendeur, main de princesse en échange, plus si affinité. Demandez Franck. Ah, vous êtes les pourfendeurs. Qui les demande? Ah, je dois vous avouer, pour la princesse, j'ai bluffé. Ah ouais, on s'en doutait un peu, c'est toujours la même histoire. 40 000 45. Attends, Franck, 45 000... Pourquoi? Oh. On peut plus, lui, Piper, il fait fuir les clients, t'aurais dû t'en rendre compte. Il va falloir que j'aille les chercher moi-même, ces putains de myrtilles. Non mais, c'est quand même une des règles de base de notre business. Tu la connais, on peut pas tirer sur les clients. Tu veux dire que je devais me laisser insulter? Je veux simplement dire que t'aurais pu faire un compromis. Je hais les framboises. Je déteste ces sales petits fruits de merde. On dirait des œufs de poisson collés les uns aux autres par la pourriture dégoulinante qu'ils dégagent. Le simple fait d'en parler me rend malade. Leur odeur me fait gerber. Leur couleur me donne envie de les écraser sur un panneau pour écrire « Les framboises, c'est de la merde !» Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que... T'aurais pu prendre du sirop d'érable. Tu adores le sirop d'érable, Jacob. Ouais, c'est ça. On commence comme ça et on finit par accepter de l'héroïne à la place des Lucky Charms pour le petit-déj. C'est complètement con comme raisonnement. Bon, au moins, tu l'as pas tué. Celui-là. Oh, je pense que je commence à apprendre à me maîtriser. On y est. Mais tu me félicites même pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Félicitations, Jacob. Tu as seulement tiré dans la jambe de notre client. Allez, passe-moi la clé de 12. Et je n'ai pas tué la serveuse non plus. Et tu n'as pas tué la serveuse non plus. Ouais. Parfois, je me demande si tu penses sincèrement ce que tu dis ou si c'est juste ce que je veux entendre pour me calmer. Ouais, eh ben, je me le demande aussi. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi à négocier, non? Oui, oui, oui. Et 50 000, c'était mieux que 45 000. Oui. Et la confiture? 50 000 et un bocal de confiture de myrtille. J'adore ce boulot. Ah, le voilà. Le voilà, t'es sûr? Comment ça? Ce n'est pas il, les écailles de couleur à la base du cou. C'est une dragonne. Oh putain! Je t'avais dit que 50 000 c'était un peu juste. Ok, c'est ton tour. Ah non. comment ça? Ah, c'est pas mon tour, c'était déjà le mien la semaine dernière. Et n'importe quoi, je l'ai fait deux fois de suite, c'est ton tour cette fois, et la prochaine. Alors on le joue à pile ou face. Ah putain! Alors, une pièce... tiens. Ah, tiens. Ok, pile je gagne, face tu perds. Ça marche. En face, oh, tu perds. Ah, oh, c'est con. Ah, à chaque putain de fois. Ok, elle est vraiment pas loin, donc faudrait peut-être s'y mettre maintenant. Peuplier vivait un dragon. Toute la journée dormait contre son tronc. Sous ce peuplier et sous ce dragon, un trésor caché de pièces d'or en fusion. Le dragon dort, le dragon dort. S'il dort toute la journée, je le verrai briller. Le dragon dort, le dragon dort.
s'il dort toute la journée, il pourrait peut-être m'oublier. Sous un peuplier dormait un dragon. Seul le berçait sa respiration. En or se transformait doucement le dragon. Pas même ne le réveillerait cette chanson. Le dragon dort, le dragon dort. S'il dort toute la journée, je le verrai briller. Le dragon dort, le dragon dort. S'il dort toute la journée, il pourrait peut-être me briller. Le dragon dort. S'il dort toute la journée, il pourrait peut-être me laisser passer. Maintenant, Wilhelm! Alors? Ouais, t'étais faux sur le deuxième couplet. Voilà, j'étais déconcentré. Par moi? Évidemment. Je t'ai regardé, je savais que tu me regardais, que t'attendais que je sois faux. Et du coup, t'as chanté faux exprès ? Mais non, tu m'as déconcentré. Ouais, bah la prochaine fois, reste concentré, hein ? Ça serait un poil la honte de mourir à cause d'un dragon. Une dragonne, hein, ça compte un peu plus. Si j'ai Jacob, pourfendeur de dragon, pourfendu par une dragonne. Oui, ça fait un peu con, j'avoue. Encore merci les gars. Tenez, il y a même un petit supplément pour vous. Oh, des gaufres ! Ah, c'est gentil, fallait pas. Ah, je voulais aussi que vous sachiez, je vais pas porter plainte pour ma jambe. Ah, faut pas m'en vouloir. Je suis de ce genre d'homme qui hait les framboises. Au revoir, Franck. Vous êtes de ce genre d'homme qui tient ses promesses. Si on oublie toute cette histoire de princesse, bien sûr. Au revoir les gars. Bon, on est parti ? Ouais. Au fait... Ouais ? Je fais quoi d'elle ? Eh bah, tu la mets avec les autres, à l'arrière, sous la bâche ? Un jour, il faudra que tu m'expliques. Un jour, petit frère. Eh, tu grouilles ? J'arrive ! C'est quoi le prochain ? Transylva City. Une histoire de vampire hématophobe, je crois. Ah, cool. Bon, ça va nous changer un peu. T'as le GPS ? Le quoi ? Ne commence pas ! Mais commence pas quoi ? Enfin, je comprends rien. Je sais très bien que tu sais. C'est comme pour pile ou face, tu crois que je suis stupide ou quoi ? Sincèrement, t'es mon frère et tu me fais un coup comme ça ? Mais franchement... Il y a un moment, il y a des questions. S'il avait déjà prévu ce qui arriverait, une composition du très regretté Ennio M. Dyson Leon Exit, The End of It All. See you soon, guys.